Ça y est, je viens juste de recevoir les résultats de mon BTS. Et c'est pas top. Et toi, ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Est-ce que les taxis volants sont sortis? Tout début du futur, je pense, il s'annonçait avec l'apparition des trottinettes électriques à Paris. C'est un peu décevant. Je t'avoue. Ou peut-être c'était la hoverboard, je sais pas. J'étais à la gare Montparnasse et bah, tu sais, je faisais des tours de vue panoramique de la population. Et à un moment, je croise une fille super jolie, quoi. Elle vient juste vers moi. Donc je commence à être en sueur. Il y a un mix entre une réaction érectile, genre une turgescence, et et de la sueur, beaucoup de sueur. J'arrive pas à identifier qu'est-ce qui est quoi. Et elle se met à, genre, allez quoi, 1 mm de moi, genre un anneau main comme ça, collé. Putain, et elle a rien dit. Moi non plus, j'ai rien dit. Mais j'étais tétanisé. Et elle a vraiment rien dit. Alors que celle qui m'a approché, qui aurait dû venir me parler, me dire des trucs, tu vois. Que dalle. On prenait le même train en plus. Mais je l'ai laissé partir devant moi. J'ai un peu attendu et j'ai commencé à regretter et j'ai commencé à courir pour la rattraper. J'ai cherché où elle était dans le train, je l'ai pas trouvée et du coup j'ai pas abandonné. C'était un vendredi soir à 18h et du coup pendant 2 mois, tous les vendredis soirs à 18h, j'attendais à la gare en espérant juste la revoir, la retrouver. Tu vois. Donc peut-être que tu l'as retrouvée, peut-être que c'est la femme de ta vie avec laquelle t'as un enfant. Ou peut-être pas. Là, je te fais écouter le son de Jaden Smith que j'écoute en ce moment. Il y en a un autre aussi. Il est cool. Ouais, bon, maintenant on va parler de choses sérieuses. T'as fait quoi comme choix au final? Dis-moi le jour que t'as fait. Sérieux. Est-ce que c'était bon? J'ai pas envie de me planter, tu vois. J'ai pas envie de me rétamer. C'est le seul truc qui me fasse peur, en fait. Parce que j'ai envie de faire tellement de choses. Tu vois, tout à l'heure, je marchais. Et puis. Puis je me disais que je me prenais trop la tête, tu vois. Mais j'ai, genre, vraiment aucune estime de moi. Et c'est hyper ancré dans ma façon de penser. C'est ancré dans mon cheminement de pensée, dans tous mes actes, je me déteste. Tu vois, par essence. J'ai un instinct autodestructeur. J'espère que tu l'as. T'as balayé ça. J'espère que tu t'es dit que t'en valais la peine. Aussi. Parce que ouais, bon, comme je voulais le dire tout à l'heure, t'es intelligent. C'est juste que tu laisses pas place à ton intelligence, tu vois. Mais sur les trucs simples, tu pourrais juste arrêter de prétendre et juste t'en battre les couilles, tu vois. Genre, vivre tel que t'as envie de vivre, réagir tel que t'as envie de réagir, interagir tel que t'as envie d'interagir, puis pas te poser trop de questions parce que tu foires tout quand tu fais semblant. Puis on voit que t'es pas sincère. Alors peut-être que je te donne une leçon pour rien et que tu te dis putain, pourquoi il me raconte tout ça, sans déconner, j'ai 30 ans, tu vois. Ouais, trouve de la sagesse là où tu peux, mec, ok? Tu plains déjà, sans déconner, c'est vrai? Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on parle. Faut que j'emmène quelque part avant de qu'on se quitte. J'espère que tu connais le lieu. J'espère que la luminosité est bonne. Et puis, voilà. C'est un message du toi du passé, mec. En espérant que t'aies pris de bonnes résolutions après avoir vu cette vidéo. Et que ça va t'inspirer pour d'autres trucs. Ouais, salut. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais
J'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver, je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.